Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Donc je suis allée dans mon magasin Carrefour et là, bonne surprise, il y avait les promos beauté Carrefour. Donc je trouve qu'elle cette année, elle commence un petit peu plus tôt. J'ai l'impression que les autres années, c'est un peu plus tard. Bref, donc je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bah pourquoi pas, parce que bon, il y a quand même des choses qui valaient vraiment le coup. Il y avait pas mal de moins 40, moins 50. Pas mal de produits, un acheté, un offert, ou de l'acheter le troisième offert, enfin voilà. Donc j'ai pris des produits que j'utilise au quotidien, donc c'était vraiment une affaire à faire. Donc voilà, j'ai du stock, je suis contente. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc on va commencer tout de suite par le make-up. Et là je me suis laissée tenter par les nouveaux rouges à lèvres de chez Rimmel. Donc j'en avais entendu parler, je n'avais pas sauté le pas, je ne les avais pas achetés. Puis là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion qui faisait que. Donc au lieu de 6,65€, ils étaient à 3,99€. Donc là j'en ai pris deux. J'ai pris le 360 As You Want Victoria, qui est là. Et ensuite j'ai pris le 630, le Coral Britannia, que voici. Donc au niveau de la couleur, la voilà. Donc à tester pour voir ce que ça donne. Donc au moins maintenant j'ai acheté des rouges à lèvres pour cet été. Bon, je sais que normalement je ne dois plus en acheter, mais là ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres de chez L'Oréal. Donc au lieu de 10€, ils étaient à 6€. Donc c'est les couleurs riches, moi je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là, donc j'étais un petit peu vraiment tentée. J'en ai pris que deux, il y en avait deux autres qui me plaisaient bien, mais bon, j'ai dit je vais pas abuser. Donc le premier c'est le Magnétique Coral. Alors celui-là a l'air super, et puis pour cet été je pense qu'il va être magnifique. Et ensuite un nude qui est le Grège Amoureux, que voici. Après j'ai pris un vernis à ongles qui me tentait, enfin qui m'intriguait. Je ne l'avais pas acheté parce qu'il était aux alentours de 9€. Et là cette fois-ci il y avait moins 40% dessus, donc 5,40€ au lieu de 9€. Ouais, 9€. Donc là c'était vraiment, c'est vraiment pour le tester. En fait c'est un vernis de chez L'Oréal, donc avec les deux embouts. C'est le vernis gel duo longue tenue. Donc en fait vous avez deux embouts, j'ai pris la teinte Burgundy. Donc là vous avez le vernis et de l'autre côté vous avez le top coat qui fait effet gel. Ce vernis à ongles est censé rester pendant 12 jours sur nos ongles, enfin voilà, jusqu'à 10 jours sur les ongles. Donc je vais vous faire une revue sur ce produit là parce que vraiment il m'intrigue, j'aime beaucoup tester les produits ongles. Et là je trouve que l'idée peut être sympa. Effectivement moi, s'il me promet déjà de tenir pendant 3 ou 4 jours sans être écaillé, ce sera déjà génial. Voilà, donc je vais vous faire une revue sur celui-ci. Donc vous étonnez pas dans les prochaines vidéos si vous voyez le même vernis, eh ben, ce sera à cause de ça. Après je me suis laissée tenter par un mascara. Alors c'est le volume c'est le The Rocket en fait. Donc il était à 3,35€ et il y avait moins, donc 3,35€, donc il y avait moins 50 dessus. Donc je l'ai pris en waterproof et en coloris black. Je vous avouerai que les brosses en silicone c'est pas du tout mon truc, je n'aime pas ça, mais je voulais pas mourir bête, je voulais vraiment l'essayer parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, il a de très bons avis, et voilà, je voulais vraiment l'essayer. Donc voilà le volume de chez Maybelline. Après, bon après ça va être des choses un petit peu du quotidien. J'ai pris mon déodorant habituel, donc qui est le Rexona La Ultra Dry. Donc là c'est pareil, il y avait moins 50% dessus, je crois que c'était aux alentours de 2,60€, un truc dans le genre. Ça valait, voilà, c'était vraiment pas cher, donc je les ai repris. J'ai pris deux lave-mains de chez Dove qui sont super bons. Donc les voici. 2,20€ je crois, 2,20€ les deux, au lieu de, donc c'était un acheté, un offert, donc ça c'est pareil, ça valait le coup. Après j'ai pris, pour mon chéri, j'ai pris un lot de déodorant, donc là c'est pareil, il y avait moins 50% dessus. J'ai pris trois gels douche pour lui, Axe, voilà ceux-là, alors le Provocation, ils sont trop bons. Donc là, 3, je les ai eu, c'était 2 achetés, le troisième offert, donc à 3,80€. Et pour terminer, j'ai pris ça, le dentifrice Oral-B, donc c'est celui qu'on prend tout le temps. Là c'est pareil, il y avait moins 50% dessus. Et j'ai repris à mon chéri des brosses à dents manuelles. Pareil, là c'était, je crois qu'elles étaient aux alentours de 3€. Donc c'est des Oral-B, tout ça, donc c'est génial. Moins 50% dessus. J'ai acheté deux produits qui n'étaient pas hors catalogue. J'ai repris une lime à ongles
en vert comme ça. Donc moi ce sont mes préférés, je trouve qu'elles font, elles liment super bien les ongles, c'est hyper fin et elles les dédoublent pas surtout. C'était à 4,05€ je crois, et je crois que c'est l'endroit où je les ai trouvés le moins cher. D'habitude j'ai payé 7-8€, là c'était vraiment pas cher du tout. Et pour terminer, j'ai pris une crème moussante, une crème nettoyante au pamplemousse rose. Donc c'est un produit que j'avais envie de tester, il n'y avait pas de promo dessus, il y avait des promos sur la gamme en savon en fait avec la pompe. Et du coup je me suis laissée tenter par celui d'à côté. Donc ça c'est un produit que je compte utiliser une à deux fois par semaine. Donc à voir, ils sont super bons. Donc j'en avais déjà essayé un qui était la gamme verte, qui avait très très bien marché d'ailleurs. Et bon là j'avais envie d'essayer celui-ci. Donc voilà pour ça. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup quoi. Il y avait aussi des promos sur les produits Essie. Alors si votre Carrefour possède une para, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce qu'il y avait beaucoup de choses en promo. Et sur les vernis Essie, c'était deux achetés, le troisième offert. Enfin les vernis ou les soins, hein, je crois qu'il y avait tout dedans. Moi je me suis pas laissée tenter parce que déjà il y a beaucoup de couleurs que j'ai déjà de chez Essie. Et puis voilà, il n'y a rien qui me disait de trop. Et voilà, après il y avait plein d'autres promos, il y avait sur des produits cheveux, tout ça. Enfin, maintenant, là pour l'instant j'ai ce qu'il faut, j'attendrai les promos Leclerc parce que voilà, c'est mes préférés des deux. Et voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !